Suivant. Suivant. Bonjour. Tu viens t'asseoir ici? On va juste te poser deux, trois petites questions. Ma maman m'a dit que je n'avais jamais parlé aux inconnus. Bon, ça te plairait de jouer dans un film? Ah ouais, comme Shrek? Ouais, moi je sais pas pété, je sais te rater. Ah. Tu fais ça bien, dis donc, hein? Bah, tout le monde se fout de ma gueule à l'école, alors... Sauf Salah, mais Salah, il rigole toujours pour tout. Toi, par exemple, si on te demandait de jouer à un enfant qui a plus de parents? Ben, depuis que mes parents sont divorcés, bah, ils s'aiment plus, puis ils ont des problèmes comme ça, et puis... je sais pas. Des fois, je suis un petit peu triste à l'intérieur. Je peux vous poser une question, monsieur? Ouais, vas-y. C'est vous qui avez choisi le nom de Courgette? Ah non, non, c'est pas moi, ça c'est dans le livre. C'est sa maman dans le livre, elle appelle son garçon Courgette. Tu vois, ça te plaît pas, Courgette? Courgette, c'est un peu pourri, Courgette. Ça fait fille. Ah. C'est moi qui ai pris dans le film, je peux changer de nom? Les enfants, je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Courgette. Ah oui, oh, pardon. Votre nouveau camarade, Courgette. Moi, j'irais plutôt patate vu sa tête. Simon, ça suffit. Du calme, les enfants. Bon, ben, je vais vous laisser, hein. À tout à l'heure, monsieur Paul. À tout à l'heure. Va t'asseoir, mon grand. Alors, je reprends, hein. Donc, comme je vous disais, la vache est un ruminant, ce qui veut dire que... Ah, voilà, elle rumine. Et puis, donc, elle mange l'herbe une première fois, hein, mais sans la mâcher. Et donc, elle la fait remonter ensuite dans son estomac. Et là, elle mastique tranquillement. Bon, les gens... Bienvenue en prison, la patate. Ouh, ça va brûler pour la patate, hein. Sous les yeux des prédateurs à découvert dans les prés. Bon, mais c'est bien tout ça. Ça a l'air chouette. Ouais, c'est chouette. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Non, ce sera moins bien quand tu reviendras plus. Tu crois que je viens par obligation? Je sais pas, c'est ton travail. Mais non, c'est pas mon travail. Je viens te voir parce que je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Oh, hé hey. Ils aiment pas trop les flics, je crois. Surtout Ahmed, il croit que c'est toi qui as mis son père en prison. Bonjour, madame. Maman! Mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Allez, on se réveille. Bouge tes fesses, j'ai pas que ça à faire, moi. Mais ben, elle est aimable comme une porte de prison, celle-là. Oh, non!